sauvegardé depuis longtemps. Et voilà la clé. La clé du portail. Ok. J'ai plus de balles de Desert Eagle que de balles d'Uzi. C'est quand même dingue. Et donc j'ai aussi un lance-roquette, mais comme l'a dit Zengar hier, il est devenu too awesome to use. C'est le problème des armes trop puissantes ou trop... De toute façon j'ai que 6 roquettes ou un truc comme ça. Combien j'ai de roquettes? J'ai 10 grenades, 6 roquettes... une paille. Comparé aux 60 roquettes que j'avais à la fin de Tomb Raider 2. Bon, bah je crois que j'ai fait tout ce qu'il fallait faire ici, hein. Maintenant, partons. Ah oui, bah oui, si, je suis allé là. En fait, j'avais même pas besoin de rentrer dans la truc pour... Je pouvais regarder par la fenêtre, en fait. Bon. Bref. Allez, on y retourne. Hop. Je sais plus à partir de quel Tomb Raider elle peut passer les coins. Mais c'est le truc qui te change le gameplay, mais de manière. Alors soit ça rend le jeu plus facile, soit ça te fait des énigmes encore plus bizarres et débiles. Mec, il me tirait dessus à travers le mur. Et merde. Ah oui. Ah oui, donc ça c'est... Ok, non, c'est la clé du portail. Donc voilà, c'est pas la clé de la cabine en fait. Donc j'ai bien fait de ne pas reprendre le truc. Et là, maintenant, la porte est ouverte. Ok. Ah oui d'accord, je peux pas monter en fait.
Là c'est pareil, c'est trop haut j'imagine. Ah! Ouais non, je peux pas monter. Alors que je fasse fondre la glace plus. Hein? Mais... Quoi? Bah, je peux rien faire ici. Je dois bien réussir à faire quelque chose en fait. Ah, il y a un passage là sous l'eau. Okay. Non, 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 remonte, remonte, remonte. J'ai quand même un doute, hein. Ah oui, c'est ça. Oh putain. Non, mais c'est Bernard, il a encore fait tomber la clé dans l'eau. Quel couillon ce Bernard, franchement. Bon, il doit y avoir moult secrets par ici, mais j'en ai un peu plein le cul. Bon, au moins on prend plus de dégâts quand on percute les murs. Voilà. Bon bah ça c'est fait. J'espère que c'est bien la clé de la cabine que j'ai chopée. Ah merde. Ouais, c'est ça, en plus c'est... Enfin, c'est pas tellement que ce soit galère, c'est juste qu'il faut appuyer sur le bouton pour se retourner, maintenir ce bouton-là, et après appuyer sur une direction gauche ou droite pour pouvoir s'éjecter du bon côté du bateau. Et en fait, on peut pas sauter du bateau s'il n'y a pas la place. Quoi? Tu veux dire que c'est pas la suite du niveau? Geek!
Attends, attends. Quoi? C'est pas la suite du niveau ce truc-là? C'est un secret? Et de qui se moque-t-on? C'était quoi ce bug? Je vais retourner à l'autre truc là-bas, mais tout menait vers... Non mais sans blague. Je comprends pas. Moi qui ai un autre passage. Creusons-nous les méninges. Ouais non, bah c'est pas tant une question de pas se souvenir que de qu'est-ce que c'est que ce bordel en fait. Attends, il y a un passage là, je peux... Ah si, en fait, je peux ici. Voilà, ok. Ok, donc le coup de la clé c'était la cabine, c'est un secret, ok, donc le machin que tu penses que c'est le début, enfin que bon bref, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Tout ceci est normal. Tout cela nous éloigne de Georges, mais. Ah bah non, fallait pas. Je me disais aussi, ça me semblait un peu... Bref. Je me demande si j'ai pas laissé tomber un peu vite. Bon, bref. Il y a peut-être un endroit où on pouvait passer. Bon, je vais réessayer. Je suis à 251 sauvegardes quand même, hein. Ce petit jeu. Ouais, non, j'ai pas l'impression qu'il y a un endroit où je puisse descendre en fait. Non, sinon elle s'agripperait. Bon, bah tant pis. Mettez-vous à l'aise. Je n'en ai pas pour longtemps. À l'aise? Seigneur, je viens de croiser un homme insecte. Fascinant, n'est-ce pas? Mais c'était un de vos employés. C'est exact. Un biologiste moléculaire, son propre cas l'aurait intéressé. Grâce à cette matière, les gènes qui contrôlent les caractères héréditaires se multiplient. Mais cette conséquence n'est qu'une infime partie de ce que nous pouvons tirer de ce matériau. Vous n'avez vu que le résultat d'une simple exposition au cratère de la météorite. De formidables capacités sont encore à découvrir au cœur même du noyau.
Avec ces reliques auxquelles vous tenez tant, je pourrais... Mais la situation vous échappe complètement. Il n'est pas question de créer des mutants, il s'agit d'une accélération totale de l'évolution. Un laboratoire à l'échelle planétaire au service d'une nouvelle race d'hommes. Mais tout le monde n'a pas envie d'être un rat de laboratoire avec ou sans troisième œil. C'est bien dommage, on a tâtonné trop longtemps. Mais l'heure, mon heure est venue. Les Polynésiens se sont enfuis bêtement, les marins stupides de Darwin n'ont rien compris, faisant ironiquement passer le grand naturaliste à côté d'une partie cruciale de l'espèce humaine. Mais moi, je ne laisserai rien passer. J'ai la clé du savoir et les pierres. Vous m'êtes tombé dessus en Inde et vous m'avez envoyé retrouver ces reliques. Vous m'avez ensuite amené ici pour écouter votre délire mégalomaniaque. Votre heure est venue, en effet, mais c'est celle de tirer votre révérence. C'est ce que vous croyez. Waouh. C'est ça, prends ta parka, il fait froid. Ça me rappelle un épisode de Rick et Morty. Ah, c'était un ascenseur. Ah bah, moins d'une heure, dis donc. Enfin. Bon, eh ben voilà, c'est ce qui conclut le premier niveau de l'Antarctique.